Oh oui, à chaque fois que je sors de ce tunnel et que je vois cette vue là, avec cette cascade, ces Mongols fiers, ces belles montagnes volviques, ça me fait toujours le même effet. Le photographe, ça fait un an qu'il prend la même photo. Les travaux qui n'avancent pas, bien sûr. Tout ce mélange qui fait de Grand Utopia une map grandiose. Salut à toutes et à tous, nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2, un convoi légendaire sur Grand Utopia avec un grand retournement de situation. Vraiment, restez bien jusqu'à la fin puisque tout va être remis en question, c'est incroyable. Je suis en compagnie de L7C Fox, L7C Miss, My Godness, le créateur de Grand Utopia bien sûr, et Margot, Seb et Flo alias Théo Camillo, trois abonnés de la chaîne. Bon visionnage à tous, c'est incroyable. Donc on est sur une très jolie map, hein, bien évidemment, hein, créée par... Tu veux qu'on aille tous sur le parking ou pas? Ouais, bah disons qu'il y a un mec devant moi et j'imagine que c'est toi Seb en plus. Bah oui, c'est pour ça, c'est juste ma question. Il me fait un petit peu chier. Mais attends. Oh, ils ont tous les deux un camion orange, my goodness, et... Ils ont tous les deux la même idée. Ah bah oui, mais bah oui. D'accord. Et oui, puisque c'est Halloween. Les grands esprits se rencontrent. Incroyable. Exact. Eh bah écoutez les gars, on est parti. Oh là là, c'est trop beau, vous êtes très très beau. Sachez-le. Beau et belle. Moi je ferme la marche. Je tiens à m'excuser à la personne qui est devant, je risque de lui rentrer dedans, mais voilà. Eh bah comme ça c'est prévenu, hein. Voilà. Bon, si jamais ce sera à droite, bon my goodness, tu connais de toute façon. Bon, je pense que je connais la route. Ouais. C'est-à-dire que le mec... Ouais, il connaît un peu ta vue. C'est lui qui a construit le pont d'ailleurs, c'est un ingénieur. Hein. Non, d'accord. C'est sûr. C'est sûr. Et voilà. Oh là là, il y a un camion qui a eu un accident là. Parfaite présentation. Qui c'est qui a mis la cabane sur chien déjà? C'est Fox qui m'a rentré dedans. Ah oui, d'accord, en plus, ah c'est bah les voilà. Fox quoi. Bah oui. Ah, il commence bien. Ah, mais elle est retournée. Elle m'a foutu en l'air. My goodness. Oui, je voulais aller là-bas, mais en fait c'est trop loin, donc bon, de toute façon maintenant... Ah, tu voulais aller au point de vue, c'est ça? Il n'y a pas de point de vue, mais oui. Ah, ça reste un point de vue ici quand même, monsieur. Ouais, c'est qu'il y a un petit parking avec une petite vue, quoi. Oh bah c'est sympa, le créateur qui a fait ça, il avait une chouette idée. J'avoue. Bon, Fox, Miss, mais il manque quelqu'un là, c'est pas possible. 1, 2, 3... Je suis derrière toi, moi j'ai double. Ah mais d'accord, ok, Seb le coquin. Oh oui. Non mais gueule, ça va. Putain, mais plus on est nombreux et plus il y a des enfants à gérer. Le temps que tout le monde arrive, c'est My Goodness en tête. My Goodness. J'arrive. Parfait. J'ai même pas mis clignotant. C'est pas grave. C'est pas grave, derrière toi c'est Miss. Entre femmes, vous comprenez. Ah bah non, c'est Seb derrière. Non, c'est moi derrière. Ouais, bah entre femmes, vous comprenez. Ouf. J'assume ma part de féminité, ne t'inquiète pas. C'est plaisante, hein, bien sûr. Par contre, j'ai un problème de voiture. Pourquoi vous freinez, là, les enfants? J'ai un problème de voiture, voilà, c'est bon. Est-ce que tout le monde est en file indienne, les enfants? Ouais. Tout le monde s'éclate. Ah, ah là, que le... Moi, je reste un peu loin de Margot. Vas-y, Margot, que... double-moi. Vas-y, double-moi, Margot. J'arrive. Super, vas-y, à fond, à fond, à fond, t'inquiète pas. Voilà, magnifique. Là, on va se régaler, là. Voilà, comme ça... En fait, il veut pas que je lui rentre dedans. Ah bah c'est vrai que c'est aussi une stratégie. Il veut me voir galérer en fait. C'est oui, c'est surtout ça. D'accord. Du coup, on a Margot, des fois on a Moment qui rentre dans les gens. Tu vois. Oui, c'est vrai, putain. Ouais. Avec mais sa grosse queue. Là, oh non. Non mais c'est quoi ça? Pourquoi vous mettez ça? Vous avez aucune pitié, vraiment. C'est vrai, on n'a pas fait de présentation les gars, pour que vous sachiez, alors tout le monde s'est roulé ici, hein, vous l'avez compris, il y a Seb, il y a Flo, il y a My Godness, il y a Fox, il y a Miss, il y a moi, et j'ai oublié personne, rassurez-moi, mais par contre on a Margot qui elle, c'est son premier jour, c'est pas mal. Je me suis pas mangé le rocher. Oh j'ai pris la barrière, mais à part ça, ça va. Ça va en vrai. Ouf, galère un peu hein. Ça va, bah tu pourras faire la même de l'autre côté du coup. Ah parce qu'il y en a d'autres. Ah bah il y en a d'autres. Il y en a d'autres, t'inquiète pas. Ah bah, je crois que l'IA s'est un peu bloquée toute seule. Là. Ah. Ah. What? Ah. What? Quoi?
Oh là. Oh les gars, mettez-vous en caméra libre, regardez ce qu'il y a devant. Ouais. Ah la misère, il va falloir pousser. Hein. Voilà. Ah bah c'est bon, problème réglé. Oh. Magnifique. C'est j'avoue. Garde à vous. Hop là. My goodness, tu joues au volant là ou pas du coup? Non, non, je... Putain, ma manette fonctionne très bien. Non mais frérot, il a acheté un volant, il joue même pas avec son volant. Bah moi je le veux bien alors hein. Oh bah grave. Non mais c'est un truc de ouf. Non mais je jouerai au volant quand je pourrai l'installer dans un coin et le laisser brancher tout le temps. Parce que c'est trop chiant à brancher et à débrancher. Et tu crois que je fais comment moi? Moi je le branche tout le temps hein. Ça c'est le pire truc ouais, c'est chiant. Oui. Rebrancher, débrancher. Ah ouais, mais moi j'aime bien passer sous le bureau. Coquine. Oh putain. Waouh. Vous avez vu le camion avant là, comment il s'est redressé? Là c'était... Alors okay. La seule qui s'est fait retourner pour le moment, c'est quand même Miss hein. Ouais mais c'est pas de ma faute, c'est parce que Fox me fait rentrer dedans. Ouais bah c'est vous quoi. Manifestation, on en a marre des prix à la station. Enfin de la pénurie tout court en fait. Allez. Ouais, c'est sûr. Manifestation. Avec son camion rose, c'était Seb. Il est mauve, il est orange. Oh là là, je confonds toutes les couleurs. Nous avons Miss. C'est Malouin, on a dit. Malouin. Un magnifique Scania. L7, c'est Miss. Ah là là, c'est beau le GPS avec tous les pseudos comme ça. Regardez Miss qui penche, qui pose le genou à gauche, là, telle une motarde. Bon, elle préfère les lignes droites, j'ai bien compris, mais enfin bon. On peut pas être parfait, hein. Ouais, Seb, tu traînes ou vous ralentissez exprès pour nous, les gens devant? Tout à l'heure, ça a ralenti un peu. Superbe. Mais vous êtes des amours. D'accord, bah vous êtes des amours, voilà. Il change un truc dans les réglages. Ah bon, bah du coup, c'était juste égoïste, ok. Oui. Non, contre-braque. Non, 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 pas dans ce sens-là, doucement, vas-y, mollo. Non, mais on s'en fout si la remorque à part en steak. Oh là là, bonjour. Non, mais c'est que je suis derrière. Ah, d'accord. Bien, regardez Mix qui prend. Mix, n'importe quoi, Miss qui prend bien l'angle. Hop, et qui. Hop là, paf, superbe. Superbe. Rien à dire. Merci. Mais de rien, mais il faut savoir dire, hein, des fois, des bonnes choses. Ouais, mais en fait, ce qu'il dit pas, c'est que t'as bouffé le trottoir. Hein. Ne dis pas ça. Écoute, j'étais pas très sûr. Arrête, tu l'as vu. Putain. Ouais, Seb, ça t'éclate ce rire, hein. Ah putain, oui, j'en peux plus. Ce que je comprends pas, my goodness, c'est que regarde les travaux là de bois ici là. Je veux dire, ils étaient au même stade il y a un an. Ouais, tout à fait. Je veux dire, je veux bien qu'ils en foutent pas une, mais est-ce que avec sa grue, le mec il fait ça depuis un an là, genre non-stop? Ouais. Il empile. Putain, j'espère que tu les payes pas trop cher quand même parce que. Non, ça va. D'accord. My goodness, il y a un endroit à Malterre. Tu sais le pont en travaux? Oui. La grande pancarte y a marqué se termine fin 2020, je crois. Ouais, j'avoue. Ouais. Oh putain. Bah, c'est que quand j'ai commencé, ça me paraissait loin, en fait. Pour dire. Ouais, exact. Oh oui, à chaque fois que je sors de ce tunnel et que je vois cette vue là, avec cette cascade, ces mongols fiers, ces belles montagnes Volvic, ça me fait toujours le même effet. Le photographe, ça fait un an qu'il prend la même photo. Les travaux qui n'avancent pas, bien sûr. Tout ce mélange qui fait de Grand Utopia une map grandiose. Ah là là. Putain, ils ont pas le temps devant, regardez, ils sont déjà là-bas et oh là là. Ouais, ça rigole pas, ça roule. Ça rigole pas. Pas le temps de niaiser. Hein. Pas le temps de niaiser. Oh là là, regarde cette cascade d'eau, ça coule de source. Ah ouais, t'es beau. Salut Seb, tu me vois? Ouais, je t'ai vu. Je te vois dans le bas là. En bas là. T'es tout petit. Tout petit. Ah, Flo, il voulait dire tout petit comme Zizi. Margot, elle dit plus rien, elle est concentrée. Hein. Elle a l'air que bien débrouillée. Bien. Non, mais elle roule bien, hein. Je suis derrière et elle roule bien, bravo. Top. C'est... Margot, t'es la seule à pas avoir le permis en fait. Exactement. Ah. Si, j'ai le permis vélo, bien. Mais voilà. Vélo. Permis vélo. J'ai passé un permis vélo quand je suis en CM2. Ah oui, d'accord. C'est vrai. Ça existe vraiment?
Ouais, je suis allée. On a fait du vélo de course. Les mêmes vélos que les gens là, qui font de la course, là, qui utilisent. Qui se piquent. Pardon. Je... Les dopés là. Et genre, t'as fait du slalom, t'as fait du parcours lent et tout. Ouais, c'était juste une piste qui tournait en roue en fait. C'est marrant. Oui, enfin c'était pour la sécurité quoi. Si jamais vous me posez la question, je me suis pas tombée. Hein. Ah non. Donc elle est tombée. Non, pas du tout, non. Ouais, bah si, on s'attend quand même un peu. Oh, c'est sympa. Satan. Oh putain, les gars, attention derrière moi. Freinez, Fox, friend, Fox, ils font n'importe quoi devant. Ok, c'est bon. Super. T'as plus la pluie normalement, Margot. Si. Superbe. Bah, tu vas faire avec, hein. Route du paradis, altitude 356 mètres, hein, bien sûr, pour les anglophones, Paradise Road. Voilà. Merci pour cette leçon d'anglais. Mais pas de soucis. Oh, t'as un easter egg. Ouais, dans ce coin. Mais... Genre qu'on a jamais vu. Bah, je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu. Oh. Bah, vas-y, hein. Moi, je veux. Fox, t'es au courant de l'easter egg? Non, parce qu'il y avait un truc, mais c'est pas du tout ça. Donc, non, mais ça me surprend. Je suis en train d'y réfléchir. Pourtant, je l'ai faite la route. Bah ouais, on l'a fait. Je l'ai fait aussi, mais j'ai jamais. Ça date je de. Je pense que j'ai jamais vu non plus. Depuis l'easter egg. Ah bah depuis le début, oui. De la route. Ah bon, mais. Oh, regardez comme il est déçu, ça s'entend à sa voix. Il est déçu qu'on ait pas capté l'easter egg. Surpris, surpris, ah bah non, puis. Justement, moi je suis content, c'est bien caché. D'accord, ok. Oui, non, pas toi, Fox, mais genre je disais, my goodness, il avait l'air déçu qu'on ait jamais vu. Voilà, du coup, ben c'est super. Si on s'engage tous, là ça va être un. On va peut-être pas y aller, non? Bah, ceux qui veulent y aller. Ouais, y'a pas. On y va peut-être. Caméra libre, si vous voulez. Ouais, caméra libre peut-être, hein. Vaut mieux, hein. Je sais pas si j'ai laissé beaucoup de place en haut. Oh, Miss, elle y va. Ouais, c'est pour ça. Miss, elle a pas peur. Non. On va attendre un peu. Ouais, moi je l'ai su en caméra libre. Ah, ouais, j'ai jamais vu cette route, c'est marrant ça. Après, faut dire que. J'ai la pluie. Faut dire que. Ah mince. Faut dire que la route est pas évidente à voir aussi, hein. C'est fait exprès. Ah bah oui. Et oui. Je me doute bien. Allez, je te pousse, Miss. Caméra libre. Je vais essayer de faire demi-tour. Mais du coup, il y a une belle vue là. T'as dit quoi, Margot? Comment on fait pour se mettre en caméra? C'est la, tu sais, c'est la touche 0. Ah oui, d'accord. Et après tu navigues avec le pavé numérique. Donc l'easter egg, c'est ce petit coin photo. Chapelle de Saint My Godness. Oh. My Godness est un saint. Eh ben, j'avais jamais vu ça. Mais je vais te dire, dans toutes les vidéos qui montrent cette route, pas spécialement celle qu'on fait, hein, si les nôtres. Puisque Mco il est à 100%, enfin 99% sur ProMode. Donc. Pardon, j'étais un peu vulgaire, j'avoue. Surpris que. Mais j'avais vu ça, quoi. Et il n'y en a pas beaucoup qui ont dû le voir. Hein. Et en plus, on peut faire du saut en parapente. Allez, au Miss aussi, hein, quand même. Au Miss c'est Miss en plus. Ouais. Merci hein, pour ce bel easter egg en tout cas. Ouais merci, c'était chouette. Oh là là, et puis les montgolfières quand même, ça fait un an qu'elles sont toujours dans les airs. Dans les airs. C'est fou hein. Ils cherchent. Ah mais non, mais je cherche pas. Il y a du monde derrière nous, ça fait. Ah oui, la queue, on a fait un beau bordel. Ouais. Ouais. Hey, j'ai une question, My Godness, toi qui connais tout. Ouais. Mmh. Parce que je ne connaissais pas cette fonctionnalité, ça m'aurait servi bien plus tôt, mais bon, la fonctionnalité de la commande de faire justement trafic 0, 1, est-ce que si maintenant tu mets par exemple 2, genre ça multiplie par 2 le trafic? Ouais, tu peux être jusqu'à 10 et ça te met, non. Ça te met du trafic. Si. Mais alors monstre. Après, fais attention parce que ça bouffe les ressources. Ouais, ça lag assez vite. Ouais. Ok, ouais, d'accord, parce que c'est rigolo, tu sais, on peut faire des défis et tout. Moi je suis à 3.
Et, ah ouais, et je suis repassé à 2 il y a pas longtemps, parce que c'est suivant les endroits, suivant les cartes. Et puis après, ça devient inutile parce que à chaque sens giratoire, rond-point et tout ça, bah, t'as des boucles. Ouais, ouais. Et franchement, quand tu sors de la piscine, y a rien de pire. Tu peux rien dire. Hein, ça veut dire, mais... Bonjour, hey, il fait un selfie, le narcissique. Le narcissique. Lui aussi, il fait son selfie depuis 2 ans ici. Ouais, bah il a pas de crampe, tu sais pourquoi? Parce qu'il a une perche. Oh putain. Et oui. Tu peux faire ta commande là pour arrêter la pluie? C'est possible ou pas? Bah je l'ai fait, ça a pas marché pour Margot, donc ça changera pas, mais vas-y, je vais le faire pour... Je vais réessayer. Hop. Mais zéro plutôt que clear, je pense. Ouais, mais c'est ce que j'ai fait, et moi ça, là ça vient de m'enlever, ça m'a remis le beau jour, et vous ça vous a rien changé. Je suis pas Dieu, finalement, c'est my godness le Dieu. Et oui. Moi ça marche pas si je le fais. Bon. Mais oui, mais je suis con. Mais, alors, mais vous pouvez le faire pour vous. Mais si tu fais la commande et qu'on est sous le tunnel, c'est sûr que on pourra pas savoir qu'il y a la pluie. Non mais Fox, je l'ai fait avant qu'on rentre dans le tunnel. Oh, Fox qui me cherche. Ouïe. Ouh là là. À son écran, elle a la pluie, le brouillard. Ah. Elle est... Ah pareil. Et ouais. Ouais, pareil. Mais vous, facile. Essayez de faire la commande, vous, le de 8h. Ça marchera pour vous. Oui, effectivement. Eh oui, il faut arrêter de mettre une pression finalement supplémentaire sur moi. Mais c'est qui a dit en début qu'il fallait l'appeler chef et... Non, c'est parce que vous m'avez appelé patron, vous m'avez appelé boss, je crois. Mais... Donc j'ai dit appelez-moi chef, ça suffira. Ça suffira. Hey. Je veux passer, c'est qui la nouille qui est devant moi là? Casse-toi, merde. Mais t'es en contresens, Margot, t'es dans l'herbe. Mais oui, mais je voulais faire demi-tour. Ah, tu vas pouvoir passer, ah, t'inquiète. Elle va avoir le permis, elle va s'énerver. Ah ouais, de ouf, c'est sûr. Vas-y, passe. Oh, mais casse-toi avec ton camion, toi. Tu me laisses passer. Oh, c'est qu'une rayure. Putain, on a du mal, Flo et moi, c'est un truc de ouf, on est des connards. Ah ouais, mais les DAF, plus jamais. Hein. Plus jamais, les DAF, c'est de la merde, hein. Félix, je vous en ai, mais... Je confirme. C'était ma marque préférée jusqu'à maintenant. Non. Eh oui. Dès que j'avais mal à la tête, paf, petit dafalgan. Ça va nickel. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est rien. J'ai cru comprendre que Margot, elle aime pas la marque Man. Non? Ouais. Et sinon... Alors, donc... et c'est quoi ta marque préférée, Margot, du coup, de camion? C'est My Godness, vas-y, passe Scania. Devant. Scania? Ouais. Ok. C'est la marque des kékés. Toi, c'est quoi de nouveau? C'est bah toi, c'est Volvo. Volvo, moi. Volvo, ouais. Puis toujours. Ah oui, c'est toi. C'était le seul qui m'avait soutenu quand j'avais commencé avec le Volvo justement. Ah, c'était bien. La bonne époque. Très bien. Et oui. Putain, je suis en train de renifler le derrière de Flo. Ça sent très très bon. Ça sort la boiserie, quoi. J'aime bien. C'est parce qu'il sait bien la. Ah oui, c'est pour le bois. Eh oui, les troncs. Quoi? Oh putain, ça y est. C'est pas mal, hein? Ah, oh, JPP. JPT. Oh, bizarre. Oh, il vient de coucher le panneau, Flo, rien à foutre. Hop là, il couche aussi tous les trucs. Non, mais. Oh, c'est un scandale ce qu'on voit. C'est un scandale. Non, mais on a fait de la place. Oh my goodness, ça fait de la place, t'inquiète pas. Oui, mais le scandale, c'est qu'il a fait de la place. Mais Flo, derrière, il a élargi le truc. Ah, bah oui, mais. Flo, il est comme ça, quoi, on le connaît, tu vois, on a l'habitude. Oh, c'est beau, les montagnes comme ça, c'est beau. T'aimes pas, hein, Miss, hein, les montagnes hein. Pas du tout. Oh, mais comment ça? Mais c'est beau. Tu trouves pas ça beau? Ouais. J'ai pas trop le temps de regarder la route, moi. De regarder le paysage, hein. Ouais, mais tu trouves pas ça beau? Ça me choque. C'est magnifique. C'est qu'il y a de plus beau, les montagnes. C'est tellement. Mais bien sûr. Si, j'aime bien. Ouais, je préfère. Non, parce que qu'est-ce qu'on se fait chier quand c'est plat? Je parle bien du paysage, hein. Bah, bienvenue en Charente-Maritime. Non mais hey, franchement je te le dis. Non mais c'est clairement je te le dis. La Charente-Maritime, pour être très honnête, c'est vraiment parce que c'est dans mon cœur. Mais à part la mer, tu m'enlèves la mer en Charente-Maritime. Désolé hein, j'aime la Charente-Maritime. Les routes sont toutes droites, t'as des ronds-points tous les 10 mètres. C'est les seuls moments où tu tournes, c'est, tout est plat. Tu vois à 12 kilomètres. Quand même en roulant, ouais. T'as dit quoi? Y'a... Oh. T'as dit quoi?
T'as dit quoi? Il y a quand même de beaux coins, même en roulant en Charente-Maritime quand même. Oui, mais oui, mais c'est des structures. Moi, ouais, le plat, ça me... Le plat de la Charente-Maritime, ça me... C'est insupportable. Ah, tu l'aimes pas non plus? Ah non, je supporte pas le plat de la Charente-Maritime. On est bien d'accord, ouais, mais... Après, hein. Mais heureusement, c'est la Charente-Maritime. Voilà, il y a la mer et la Charente-Maritime fait que voilà, c'est magnifique, c'est tout beau. Heureusement qu'il y a la mer. Quand, la route, les routes pour aller à l'île de Léron, l'île de Ré, Royan... On se fait chier, mec. Ah, c'est sûr que si tu prends la route d'Andaï pour aller à Ibardine, la côte basque, c'est sûr, c'est autre chose. Ouais. Il me parle pas de ces noms, je n'ai absolument aucune ref, mais voilà. Ah, c'est le Pays basque. Qu'est-ce qu'elle fait, Miss? Oh là. J'imaginais déjà plusieurs personnes dans le décor à ce moment-là. Bah voilà, manifestement, tant mieux du coup. Désolé. Non mais c'est pas grave, c'est bien, franchement c'est cool. Et si on arrive à terminer en plus le convoi tous ensemble, c'est juste magnifique. Oui. On est là pour ça, on n'est pas là pour mourir quand même, enfin. Non. Non, on dirait qu'on pirate un paradis. Hein? Direction le paradis. Le paradis. Si on est mort. Non. Ah bah oui. J'avais pas compris. Mais t'es 3 heures à comprendre là. Oui bah ça va. C'est rigolo, c'est les copains. C'est rigolo. Pardon. Oh, c'est nerveux. Non mais c'est rigolo parce que c'est à dire que moi j'ai devant moi j'ai My Godness et en fait j'ai l'impression de faire une coupe de Formule 1 et je me fais chier, c'est à dire que devant moi ils sont à 1 km, derrière moi ils sont à 1 km, je suis tout seul comme un con, je fais une course tout seul. Tous ceux qui sont derrière moi, préparez-vous. Ok. Bella. Et là vous allez me doubler dans tous les villages. Oh putain. Oh l'angoisse. Oh l'angoisse. C'est honteux. Et deux, un. Ouais, ralentissez un peu devant si ça vous va, les deux Yoto. Ouais. Parce que là, je... Ça marche. Allez, Margot, tu peux le faire. Margot, elle a la confiance. Hop là. Hé, hey, Margot, elle maîtrise sa queue. Hein. Voyons voir si Miss en fait de même. Voilà. Et voilà, Miss n'a pas l'habitude hein, de manier une queue. Allez, comme ça. J'y arrive. Vas-y. Les commentaires. Jean-Pierre Boiserie. Boiserie, deux S. C'est ce que j'ai dit. Hein? C'est ce que j'ai dit. T'as dit Boiserie. Non, j'ai dit Boiserie. J'ai dit Boiserie. C'est comme Mercedes. Oh, c'est pas vrai. Y a pas de, y a pas, y a, tu vois, y a pas de S à Mercedes. Mais il a, mais oui, mais on dit pas Mercedes. On dit Mercedes tout simplement. Exactement. Non mais alors voilà. Par contre l'hypocrisie ça commence à bien faire. En fait Non. Quoi, on dit pas Mercedes? Non. Et moi non. Je disais toujours Mercedes. Non, je vous explique. Non, hey, à un moment donné je veux bien comprendre pour un couillon. Moi je disais toujours Mercedes. Non. Voilà, oui. Donc je disais Mercedes et vous me disiez eh non, il faut dire Mercedes. Et alors du coup je dis Mercedes. Mercedes. Mercedes, pourquoi Mercedes? Ah, ouais, c'est mon côté allemand, c'est ça, l'accent, c'est ton côté alsacien. Eh oui, oh putain. Je sais même pas ce que ça veut dire. Bah dis-le. Vas-y, redis-moi parce que. Archlor. Archlor. Bah alors, Miss. Mais c'est un peu le bazar. Ça glisse, ça. En Mercedes. Putain. Là, ils sont en train de se foutre de ma gueule, mais vous allez voir. Non. Parce que là, ils sont comme des couillons avec leur automatique. Eh oui. Mais regardez bien. Ouais, je vais me mettre en manuel, mais je l'ai pas configuré, la manuelle. Ah, automatique, moi. Hein. Ouais, mais toi, t'es un cheater, c'est toi qui as fait la map. Non. Attends. Bizarrement, je trouve qu'il avance plutôt bien. Pousse-toi un peu, Miss, pour voir. Non, mais sans déconner. Hop, ça dégage. C'est parti. N'empêche, Margot, elle avance. Hein. Je continue tout droit. Il faut prendre la droite, la prochaine. Là où je suis, là, à droite. C'est là qu'on voit les vrais montagnards. Ah bah, hein, au bord de la mer, il n'y a pas beaucoup de neige. Hein. La blague. Pas trop de relief. Vous êtes allés où, les copains? Le rond-point, vous avez pris quoi? À gauche. Ok. À gauche et après à droite. Ok. Mais comment tu sais, tu m'aimes pas encore? Eh ben, parce que je regarde l'écran de Fox. Ah, il y est déjà?
Bah oui, je Oh, mais quel boss! C'est bien que c'est un pro. Hein. Oh, mais j'ai jamais pris cette route, ce chemin, my goodness, là, ça va loin en fait. Bah, ça va au plus haut point de la carte, mais du coup, ça monte un petit peu encore, ouais. Ah, mais j'ai jamais. Jamais fait encore cet endroit. Bah, en fait, moi j'arrive pas à avancer. Je crois que je vais laisser ma remorque ici, et puis. Ah ouais, ça y est, sur la remorque. What? C'est accessible, genre, ce chemin? Attends, je vais peut-être pas la laisser en plein milieu, par contre. J'ai jamais vu ce chemin. Pareil. Oh, il est sur la carte. Bah, c'est ça oui, qui est rigolo. C'est ça qui est fou, parce que, tu vois, bah, j'ai jamais pris ce chemin. C'est fou. Ah, Miss, elle est là, pareil, comme Margot. Donc là, d'ici une demi-heure, elle sera en haut. Et où, après, au rond-point? Par contre... Ah, Flo. Mais Flo, mais qu'est-ce qu'il fait, Flo? Moi, je cherche une solution pour pouvoir toucher. Faut aller où, à gauche, Margot. Et après, à droite. J'ai galéré pendant une heure, là. Ah ouais, non mais là, c'est vrai que t'es dans la galère. Non, ça va être... Mais en fait, Flo, t'es en manuel, là? Bah, j'ai essayé en manuel, mais ça marchait pas. Mais si, en fait, quand tu démarres en première, tu y vas doucement, et après, tu te mets direct, genre, en troisième, quatrième, oui, tu sais. Mais je suis à 0%, enfin, à 0 km heure, quand je suis en manuel. Et qu'est-ce que tu me racontes? Ça marche pas. Et Flo, enfin. Ah ouais, mais Seb, par contre, il est chaud, hein. C'est là qu'on voit le vrai routier, hein. Je m'éclate. Tu m'étonnes. Putain, on peut monter tout ce chemin pour de vrai. Ouais. Mais Godness, tu sais que quand on a fait les cons, qu'on s'était téléporté là-haut une fois là. Oui. Mais on n'avait jamais vu ce chemin. Bah moi je l'avais vu. Ah bah heureusement qu'il l'a vu, c'est lui qui l'a créé. C'est incroyable. Ça y est, Margot elle a réussi. Bravo Margot, on applaudit Margot quand même, hein. Bravo Margot. Bravo. Elle encastre toutes les bagnoles. Oh, mais il faut freiner. Lui il a pas survécu, hein. Ah non mais tu peux mettre les deux mains en l'air, hein, là t'es arrêté par la police, hein. ça sert à rien de s'enfuir, hein. Les flics ils ont même pas besoin de te crever les pneus, hein. Alors les amis, retournement de situation. Regardez à nouveau cette scène. Ah mais elle est retournée. Elle m'a foutu en l'air. Encore mieux, regardez Miss, telle une pilote professionnelle. Allez, oh Miss aussi, hein, quand oh, même. Oh Miss. Et si en fait, depuis le début, L7C Fox et Miss nous ont totalement trollés. Moi y compris, et les autres également. Vous aussi. Bien, regardez Mix qui prend... Mix, n'importe quoi. Miss qui prend bien l'angle. Hop, et qui... hop là, paf, superbe. Superbe. Rien à dire. Ouais, mais en fait, ce qu'il dit pas, c'est qu'il t'a bouffé le trottoir. Hein. En réalité, L7C Fox conduisait le camion de Miss, et Miss conduisait le camion de L7C Fox. Et oui, ce qui explique en fait que c'est pas Miss qui est retournée, mais c'est bel et bien Fox qui est retournée, et c'est Miss derrière qui l'a retournée. Et oui, Fox et Miss nous l'ont avoué à la fin de ce convoi, et forcément, ça remet tout en question, et on peut noter d'ailleurs maintenant ce jeu d'acteur de Fox derrière moi, mais en réalité, c'était Miss. Oh putain, les gars, attention derrière moi, freinez, Fox, freinez, Fox. Ils font n'importe quoi devant. Ok, c'est bon. Super. On peut également noter ces zigzags de L7C Miss, mais en réalité, c'était L7C Fox. Ils ont failli se faire cramer plusieurs fois, mais je ne les ai jamais cramés. Mais par exemple, à ce moment-là, c'était quand même vachement curieux que Miss connaisse le chemin à prendre, alors qu'elle n'y était pas encore, soi-disant. À gauche et après à droite. Ok. Mais comment tu sais, tu es même pas encore? Bah parce que je regarde l'écran de Fox. Et du coup là où c'est ultra stylé, malgré tout ce qu'on aurait pu penser durant toute cette demi-heure de vidéo, et donc nous on a roulé pendant une heure, et bien c'est Miss qui est arrivée tout en haut, et c'est Fox qui était en train de galérer dans la neige. Et ça c'est pas des blagues. Donc je retire tout ce que j'ai dit sur Miss durant le convoi, bien que c'était pour rigoler. Bravo à eux pour ce prank, je pense qu'on s'est tous fait avoir. Et franchement, un gros GG à Miss, parce que bah du coup, on peut le dire, mais Miss a super bien roulé pour le coup. Et big up Fox.